Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On va voir ensemble un petit raccourci, trois petits raccourcis qui vont vous faire gagner énormément de temps. Vous savez, pour les quêtes d'assassinat, on vous demande des quêtes de chasse qui sont relativement longues. Il y en a une où il faut tuer 40 élémentaires. Donc là, pour ramasser les poussières, c'est très simple, tu vas dans l'acte 1. Le pouvoir de Drevna et tu fais boîte des arcanes, tu en auras deux poussières par run, donc il n'y a pas mieux actuellement. Donc ça c'est la première astuce, tu vas gagner 3-4 heures de farm. Ok, acte 1, la boîte des arcanes. Et tu farmes jusqu'à avoir tes 40 poussières. Ensuite, tu vas avoir une mission qui va te demander d'obtenir, de tuer des insectes. De sable. Donc le conseil, c'est d'aller l'acte 2, soleil disparaissant. Non, je dis une bêtise. Ça c'est pour la prochaine. Tu vas dans mission, danse du guerrier et tu fais piller les pillards. Tu vas avoir des scorpions. Tu ne les tues pas. Ils vont faire pop des œufs et tu vas pouvoir les faire à l'infini comme ça. Ok? Et ça va te permettre d'aller beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Donc, si tu veux, on peut aller faire une petite démonstration. Comme ça, tu visualiseras bien comment ça se passe. Hop. Ça, c'est mon second perso. Ah là là, il était là lui. Donc voilà, c'est eux là. Tu vois, des fois ils pondent des œufs. Et ben voilà, ils viennent de le faire. Ils pondent des œufs. Tu laisses les œufs pousser et ils vont en pondre d'autres, tout simplement. Et tu laisses ainsi de suite et ils vont tous grossir, grossir. Bon, moi mon ours il les tue, donc ne le fais pas avec l'ours. Mais voilà, et tu fais ça en boucle, en boucle, en boucle, et tu vas avoir des dizaines et des dizaines de scorpions à l'écran. Dernier tips qui va te faire gagner énormément de temps, c'est la quête qui va te demander de tuer 40 Battle Cruiser ou un nom comme ça. Et ça prend énormément de temps, ça prend 5 heures normalement. Là, avec cette astuce, ça va te prendre une heure et demie. Donc c'est un gros gros gain de temps. Donc tu vas dans l'acte 2, le soleil disparaissant, et tu fais les morts ne racontent pas d'histoire. Tu cliques sur bataille. Je vais te montrer les deux spots. Je vais le faire avec toi, comme ça tu vas voir en même temps. Super important. Ça va faire vraiment la différence. Ça va te faire gagner énormément de temps, crois-moi. Donc garde bien cette petite vidéo en tête, même si tu n'y es pas encore au passage où tu sais pas encore ce qu'il faut faire. Au moment où tu seras devant, tu penseras à moi et tu diras: ah, j'ai l'astuce pour gagner grave du temps. Parce que ça prend des heures et des heures, tu verras, c'est très très long. Et tu vas y arriver, hein. Tôt ou tard, tu es obligé d'y passer. Donc là, au fait, il y a deux spots. Là, tu fais celui d'en haut, ici, et celui tout en bas. Il y aura les deux boss demandés, et il t'en faut 40. Donc tu dois faire 20 fois le run. Voilà. Je vais te montrer de suite. Ah là, c'est lui là. Voilà le gros sac là. Voilà, il t'en faudra 40 comme ça. Tu les farmes tranquillement. T'en as pour une heure et demie. Et l'autre, il est tout en bas ici. Tout simplement. Ok? Donc un tout en haut, un tout en bas. Et tu quittes la mission et tu farmes en boucle.
Ok. Voilà, ça sont trois astuces pour les trois plus grosses missions d'assassinat qui vont te demander énormément de farm. Donc voilà, à savoir que la quête des scorpions, tu vas pouvoir la réutiliser un peu plus tard quand on va te demander de farmer Morok. On va t'en demander 100. Donc tu retournes faire les scorpions, la mission, et tu en tues 100, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Dis-moi où tu en es en commentaire et si ça t'aide, je te dis à bientôt. Ciao, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.